Et les indices européens consolidés à la mi-séance alors que les négociations autour de la dette grecque se poursuivent. Et si on regarde et sur l'ensemble des places européennes, à midi 0,7, le Stoxx 600 perdait 0,24% à 372,03. À Londres, le FTSE c'était 0,19% à 6816,43. Et à Francfort, le DAX reculait 0,19% à 10 733,31. Le CAC 40, lui, perdait 0,56% à 4 669,27, avec du côté des valeurs 28 en baisse pour 11 valeurs en hausse. À noter parmi les plus fortes baisses du jour, le constructeur Lafarge perdait 1,44% à 63,86 €. Vinci reculait également d'un 42% à 50,61 €. Et le distributeur de matériaux de construction Saint-Gobain lâchait lui 1,33% à 38,30 €. Et à la hausse, on retient l'électricien EDF à plus 1,64% à 24,56 €. Et enfin, sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1306 $ et le dollar était coté 119,86 yens. Et sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans était en baisse d'1,8 BP à 0,68%.